traitons deux types de pathologies, la rhumatologie et les voies respiratoires. Les bienfaits sont de trois ordres. On a une action antalgique, hein, puis sédative, hein, avec la chaleur, on a une action décontracturante sur les muscles, ainsi qu'une action anti-inflammatoire, qui crée une diminution de consommation de nos curistes par rapport aux antalgiques et aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, une cure thermale, classiquement, ça dure 3 semaines, du lundi au samedi. C'est le cadre réglementé par la Sécurité sociale. Après, on peut faire des cures libres, qui ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale, mais qui peuvent l'être par une partie par la mutuelle, où là, on peut faire 5 jours d'affilée, ou 3 jours, ou une dizaine de jours. C'est au bon vouloir du sportif ou du patient curiste.